Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo vlog. Et aujourd'hui, je suis arrivé au bout du monde, je suis arrivé dans la ville de Poum. Alors Poum, vous voyez sur la carte en bas à droite, c'est situé tout au nord de la Calédonie, c'est le bout du monde. C'est un petit village et je vais te montrer en fait aujourd'hui à quoi ressemble en fait un village typique. On peut s'imaginer qu'il y a des restos et des bars, en fait vous n'avez aucune idée, c'est normal. Pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas forcément la Nouvelle-Calédonie, donc je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble un village typique. On ne peut pas vraiment s'en rendre compte tant qu'on n'est pas venu jusqu'ici. Bon bah c'est comme prévu, il n'y a vraiment rien du tout. Il y a une poste, ça s'appelle l'OPT en fait en Calédonie. Et le RS, bah voilà, il y a, c'est des micro centres administratifs. Je vais chercher un commerce, mais c'est pas garanti. Ça se voit pas, mais là, je suis au fait au centre du village. Ouais, il n'y a rien, c'est un truc de fou. Bon, je suis arrivé à l'église, mais ça a l'air plutôt fermé. Il n'y a vraiment aucune vie dans ce village. Je vais donc passer les deux prochains jours dans le nord de la Calédonie. J'étais déjà venu à Poum il y a un mois, donc dédicace à Jessica Julien qui m'ont hébergé pendant 3 semaines à Pueblo. Donc ce que j'avais adoré la partie nord de la Calédonie, vraiment les plages étaient vraiment exceptionnelles. Je pense que toi derrière cette caméra tu adores aussi ce petit jeu de découverte, de partir à l'aventure, tu sais pas vraiment où tu vas, c'est ce que je fais en ce moment et j'adore ça. Et en Calédonie, le sport favori ça reste le football, si je dis pas de bêtises. Dédicace à tous les Calédoniens. Pour ceux qui tombent dans la vidéo, je vais vous parler rapidement des saisons en Calédonie. Il y a deux saisons. Donc la saison humide commence, on va dire, voilà, courant décembre jusqu'à début avril. Donc là, c'est la saison des pluies. Et la saison sèche, c'est entre avril, fin octobre, début mi-novembre. Voilà. Là, je vais à la pointe du village. Il y a une vue fabuleuse sur les îlots juste en face. Je vous conseille vraiment de venir à Poum. Le décor est exceptionnel, même si le village ne présente pas vraiment d'intérêt pour les touristes. Et là, dédicace à tous les gendarmes de la Calédonie, ils font un travail fabuleux, ils font vraiment un boulot fabuleux. Et leur gendarmerie, elle donne juste devant la mer, franchement, ils sont vraiment au top. Voilà, dédicace à tous les gendarmes et dédicace donc à Richard, à François et à Julien, voilà, les gendarmes que je connais en Calédonie. Et voilà, j'ai trouvé le seul commerce de Poum, c'est la station essence. C'est vraiment hallucinant, j'ai l'impression d'être au bout du monde, vraiment pas être dans la même planète. Voilà la station essence de Poum, et on va rentrer à l'intérieur pour voir si on peut prendre un café. Bon il y a quand même une épicerie en fait à Poum, il y a un minimum de commerce en fait, la station essence fait office d'épicerie. En Calédonie on peut acheter aussi du pain, voilà comme en France, allez, petit thé. Il y a rien de plus rafraîchissant qu'un petit thé, regardez. Ça va faire du bien. Ma boisson préférée, ça reste Light Tea. Allez, on se dirige vers la plage de Néon, la plage connue du Grand Nord. Allez, on y va tout de suite. Continuer tout à la pointe, je vais arriver au relais Point Gams. Il y a un truc hallucinant, regardez, il y a un cheval sauvage. Je suis arrivé à Botpass, le bout du monde, le bout de la Calédonie. On ne peut pas aller plus au nord. C'est ici en fait où on peut embarquer pour des îles au nord de la Calédonie. Je vous donnerai voir très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Franchement, ça fait super plaisir de partager ces vlogs. Et pour bien terminer la vidéo, je t'emmène une vue d'au-dessus.